vous voilà. Comment avez-vous... Mais où sommes-nous? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça, flottant au-dessus de ce... bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine pour voir les souvenirs. Voyons si... Imitez-moi. Tout est en place. Le portelon est caché ? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... n'est pas impossible à suivre ? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez ? La lueur, celle qui les entourait ? Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie ? Des traces d'une magie ancienne, pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam et peut-être Georges sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien... peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... Tout m'a l'air bien différent il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc ? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Ranrok. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici ? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé, et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon. Où en étions-nous ? Je ne vous donnerai rien du tout. Eh bien, ce jeune camarade me sera peut-être plus utile.
Vous allez bien ? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Mais où sommes-nous ? Ah, c'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. La cérémonie de la répartition attend. Bien, nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon, je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Ranrok. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications ? Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non ? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. J'ai hâte de rencontrer mes professeurs et d'apprendre tout ce que je peux à Poudlard. En effet, Poudlard a beaucoup à offrir aux élèves appliqués. Ce que vous apprendrez en cours vous permettra de relever les nombreux défis du monde extérieur. Voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Qu'est-ce donc ?
une envie d'apprendre. J'adore réfléchir. Et je pense avoir un esprit vif. Vous êtes rusé. Oui, vous parvenez à élucider ce que les autres ne comprennent pas. Et vous avez l'esprit vif. Oui, vous apprenez vite. Vous seriez peut-être à l'aise à Serre d'Aigle. Vous irez à Serre d'Aigle. Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Silence ! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain! Une arrivée en fanfare. Ravie de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravie de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année. Ça ne sera peut-être pas simple, mais je suis sûre que ça ne vous effraie pas. En effet, professeur. Voici donc l'entrée de la salle commune de Serre d'Aigle. Il faut résoudre une énigme pour entrer. Je ne vous aiderai pas, je le crains. Je n'ai jamais été très douée pour ce genre de choses. Qui a vécu le plus longtemps? Le fantôme ou l'esprit frappeur? Un fantôme ou un esprit frappeur? Un non-être ne peut avoir été. Bravo! Bon, entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Tout le monde est déjà parti? Je ferais bien de rejoindre la salle commune. Le bon moment. Ça doit être étrange de commencer en cinquième année. Respire profondément. Hey, salut! Tu veux jeter un œil? On ne voit pas grand-chose de jour. À part quelques étoiles comme Sirius, Canopus, Vega et Arcturus. Je suis Amit. C'est un plaisir de t'accueillir à Serre d'Aigle. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait vu un dragon d'aussi près. Franchement, je ne le recommanderais pas. C'est un plaisir de te rencontrer, Amit. Je parie que tu aimes l'astronomie. Oh oui, on peut apprendre tellement en observant les étoiles.
Et puis, être au sommet de la tour, à l'air libre, sous le ciel nocturne, c'est tellement revigorant. Tu vas adorer l'astronomie. Le professeur Chat sait tellement de choses. J'espère que j'aurai des cours d'astronomie alors. Ça a l'air intéressant. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu auras des cours d'astronomie. C'est obligatoire en cinquième année. Tu vas adorer la tour. Et puis, un bon télescope peut te montrer des choses que tu n'aurais jamais imaginées. J'imagine qu'on se verra en classe alors. Oui. Oh, en parlant des cours, mon premier de l'année va commencer. Il n'y a rien de tel que l'odeur du parchemin neuf. À bientôt! Je ne suis pas certaine que ce soit le meilleur endroit. Je voudrais lui trouver l'emplacement idéal. Pour qu'elle soit heureuse. Mais j'arrive pas à trouver. Bon sang de bave-boule! Ma seule envie, c'est qu'il s'épanouisse ici. Bon sang de bave-boule? C'est une expression à moi. J'ai apporté de chez moi ce plan de dictame et j'ai vraiment envie qu'il se plaise. Je trouve le dictame incroyable. Un tel potentiel de soin dans une si petite plante. Comme tu le vois, j'ai un faible pour les plantes. Ravie de te rencontrer. Je m'appelle Samantha. Enchantée, Samantha. Est-ce qu'on utilise du dictame dans la potion Wiganweld? Mais oui, tout à fait! Je vois que quelqu'un a travaillé ses cours de potion. En fait, c'est le professeur Fig qui m'a parlé de la potion Wiganweld. Évidemment! Il paraît qu'il t'a donné des cours avant la rentrée. Le professeur Fig est énigmatique. Il enseigne la théorie magique, mais semble très bien connaître la pratique. Le professeur Fig sait beaucoup de choses sur... les différentes formes de magie. Enfin, j'espère qu'il ne t'a pas parlé que de la potion Wiganweld. Tu dois avoir plein de choses à rattraper. Est-ce que les élèves cultivent souvent leurs propres ingrédients? Ah oui! D'ailleurs, notre professeur de botanique, Madame Bulbille, nous y encourage. Quant au professeur Sharp, notre maître des potions, il se moque de savoir d'où viennent nos ingrédients tant que nos préparations sont parfaites. Ce sont les poufsouffles qui ont un penchant pour la botanique, pas les serres d'aigle, si? D'habitude, c'est le cas, mais c'est un truc de famille. À la maison, on en a planté sur tout un lopin. Disons que la botanique, c'est dans mes racines. C'était un plaisir de te rencontrer, Samantha. Bonne chance avec ton dictame. Merci. Bonne chance à toi aussi pour ton premier jour. Juste attendre le bon moment. Une seconde. Admire le spectacle. Oh, oh, c'est quoi ça? Quelqu'un a jeté une bombe à mousse. Je m'attendais à une autre réaction. Dommage. Ah? À quoi tu t'attendais exactement? J'espérais détendre un peu l'atmosphère. Les serres d'aigle sont souvent nerveux le premier jour. Au fait, je m'appelle Everett. T'as l'air très calme par rapport à certains. Et pourtant, t'as survécu à un voyage assez éprouvant. Je suis ravi d'être ici. Je suis prêt pour le début des cours. Tant mieux, j'en suis ravi. Y a aucune raison de s'inquiéter. La plupart des professeurs sont sévères, mais justes. Tu sais, je joue parfois des tours bien pires qu'une simple bombe à bouse. Et je suis encore là. Attends, tu as dit que la plupart des professeurs étaient sévères mais justes? C'est ça. Mais je te laisse en juger par toi-même. Moi, j'ai tendance à tester leurs limites. Je vais m'éclipser avant de me faire attraper pour cette bombe à bouse. Content d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi, Everett. Bonjour, et bienvenue chez Serre d'Aigle. Le professeur Weasley te cherche. Tu ferais mieux de pas la faire attendre. De cinquième année qui vient d'arriver. Je me demande d'où vient notre camarade.